Ok, on est en live. Ok, on est Ok, en on est en live. live. Pourquoi j'ai pas la cam sur le Ok, mic? on est Ok, en on est live. en live. Alors, après, bien. Je pense que c'était juste le temps que. Non, c'est parce que j'ai réussi à trouver comment on fait pour. D'accord. Uniquement en stream mais pas sur l'enregistrement. Et là, uniquement pendant l'enregistrement et pas sur le. Voilà. D'accord, ok. C'est bien ça, faudra que tu me. Ok. Ok, du coup, ce soir, Assassin's Creed 2.2, le meilleur. Oui. Le best. Faut savoir, c'est celui-là ou c'est Brotherhood? C'est le 2. À The Brotherhood, le DLC. Ouais, non, mais si tu testes pas ton matériel aussi, hein? Mais tu testes pas ton matériel? Mais le fait de tester, ça fait pas marcher mieux, en fait. Mais si t'avais regardé, t'aurais vu que ça marchait pas. Oui, mais ça me fait chier pareil. Moi, je te dis, la mienne, elle est toujours bien détectée par tous les jeux, hein. Mais Même Assassin's Creed 2. tu as de la chance. Ouais, c'est une manette. Je ne dirais pas, parce que. Non. Mais je pense que là, c'est juste ta manette qui bug. Hein. Ça sert à rien de lancer le. Bordel, hein? Je sais pas ce qu'ils branlent. Putain! Tous les soirs, hein, c'est le bordel. Ah Je ouais? sais pas ce qu'ils foutent.
Appuyer sur A pour jouer, pour voir au moins. Que si tu appuies sur entrée pour jouer, il suppose que tu vas jouer souris clavier. Oui, mais comme je ne pouvais pas faire autrement. Moi. Mais non, mais je sais pas moi. Ah non, c'est pareil. Mais je ne sais pas, je ne regarde pas. Je ne suis pas code de Ubisoft. Hein. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc, putain, du coup, il a viré tous mes réglages. Ouais. Il a peur de rien. Du coup, nous voilà chez les putes. Alors, ouais, on avait acheté les putes, mais on ne voulait pas y aller. Et je sais plus qui dans le chat avait dit si tu peux y aller, mais tu peux pas consommer. Je crois que c'était pas dans celui-là. Dans celui-ci, il me semble que tu peux pas rentrer. Hein. Sinon, la porte elle brillerait. Tu vois, comme la porte elle brille pas. Du coup, bah, on va continuer. Hein. Voyage rapide, non? Je sais pas, quand tu vas. Là, ça coûte de l'argent. Je sais pas où faut que t'ailles. Ouais, mais en plus, je pense en fait. Ah, mais parce que. Florence. C'est la première fois que tu vas à Florence. Mais non. Bon. Bah non, c'est là où on est. Oh, mais t'es où? Ah, faut que t'ailles.
Putain, il y a l'entrée de Florence. T'as vu? Mais. C'est quoi ça? En Toscane, on va montrer la nuit. En Toscane, d'accord. On est là, si on est là, on peut peut-être essayer d'aller voir ce qui se passe ici. Ouais. Même si je crois qu'on peut pas la voir. Donc ça, on m'a dit, c'était des coffres. C'est ça, exactement. Ok, ensuite, ça. On va regarder Templiers. Une page de codex. Ouais, codex. C'est une course. C'est ça. Ok, bon, on va descendre là. On va aller à l'objectif. On va faire un truc en attendant. Sur la route. Il me plaît déjà là. Les cartes, c'est beau, ça. Les cartes, c'est gavé bien, hein. Non, derrière, non. Non, c'est dans la cour intérieure. Il faut que tu passes par les toits, je pense. Oh.
peux pas monter à l'échelle, donc. Je fais moite-moite. Non, mais... Du coup, celui-là... On va attaquer les deux là, si on peut. On va chercher ça. Alors, où c'est ça? N'oublie pas qu'il y a les petites barques aussi, hein, qui te permettent de... Si elle n'aurait pas. Oui, si je peux pas demander de sauter en fait. Oui, il est mauvais. On n'arrête pas de lui dire, mais bon. C'est ce jeu qui est mauvais. C'est toi qui est mauvais. C'est ce jeu qui est mauvais. Ça n'arrête pas de lui dire qu'il est mauvais, mais il veut pas l'entendre. Non, je peux arriver là, ça va me faire chier. On paye des développeurs à Ubisoft, ce sera mieux, je pense. Ce sera plus rentable. On paye des créatifs aussi à Ubisoft, ça leur fera du bien. Non mais oh. On est complètement disruptif, on renouvelle complètement le jeu vidéo, on vend exactement les mêmes choses que ce qui a déjà été fait, mais on donne un nouveau nom. Comme ça, c'est nouveau. Regarde, tu perds plein de vie. Mais on s'en fout. De toute façon, on va lancer la mission, on va récupérer vous le live, alors... Quand j'avais 6 ans, je suis tombé dans l'Arno. Très vite, j'ai été entraîné vers le fond.
et vers les ténèbres. Je voyais ma fin approcher. Quand j'ai repris connaissance, ma mère était en pleurs. Un étranger se tenait près d'elle, trempé, un sourire sur les lèvres. Elle m'a dit que cet homme m'avait sauvé. Depuis ce jour, une amitié profonde et durable lie nos deux familles. La tienne et la mienne. Je regrette de n'avoir pu sauver ton père et ton frère. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Jacopo Lepazzi semble impliqué dans leur mort. Et dans ce qui vous est arrivé. Il faut que je le trouve. Nous n'avons pas pu l'arrêter. Ce lâche s'est enfui. Avez-vous une piste? J'ai l'impression qu'ils passent leur temps à recruter chez les mariés. Il n'y a pas le seul pour jurer. Ils ont fermé Bordeaux, non? Si Jacopo avait des complices, alors eux aussi sont impliqués dans la mort de ma famille. Ils ont fermé Bordeaux. Donnez-moi leur nom. Antonio Maffei. L'archevêque Francesco Salviati. Stefano Tabagnone. E Bernardo Baroncelli. Bene. Je vais trouver mon oncle. Il a des hommes postés partout dans la campagne. Attends, avant de partir. Une page du codex, je l'ai prise dans les affaires de Francesco De Pazzi. Il est clair. Ouais, ça sera plus cher. Il me semble que Ubi Montréal marche bien. Ils ont quand même mis tout le monde là-bas. Je m'y intéresse beaucoup aussi. Alors je t'en fais cadeau. Pour moins de charges sociales à payer. Puisse le Seigneur tous nous protéger. Ça pourrait être pire, c'est des projets de trade. Là, pour le coup, ils sont fauchés. Pour le coup, ils sont vraiment dans la merde. Ouais, pour le coup, ils sont vraiment dans la merde. Action punitive débloquée. Ouais. Tu peux courir aussi. Ouais. Bon, en fait, t'as tout débloqué. Ça y est, j'ai fini le tuto ? Au bout de 6 heures ? Ça y est ? C'est ça que ça veut dire ? Non, t'es encore dans le tuto. Roule. Ah. Attends, t'avais une connexion ! J'ai cru qu'on avait fini le tuto. J'ai marqué le palais Médicis sur ta carte. Si tu veux être synchronisé à 100% avec Ezio, tu devrais aller sur place et l'explorer. Ah non, c'est ça, faut y envoyer Maxo. Mais si on y a... Le problème, c'est que si on y envoie Maxo là-bas, bah les jeux ils vont jamais sortir. Puisqu'ils seront jamais bons. Mais surtout que je vais pas rester plus de 2 semaines là-bas. C'est quand j'aurai. Quand j'aurai tarté un mec déjà, je pense que. Donc elle a marqué le truc sur la carte. Le repère des Templiers, mais on l'avait déjà vu. Ah bon? Bah ça valait le coup alors de faire une connexion pour ça. Oh là, je te jure, j'en ai marre. Je te jure, tu me fatigues. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bah, il y a la mission si tu veux. Tu peux aller retenter de monter sur. Non, ça je pourrais pas. Mais il me semble que tu peux, mais bon. Et oui, dis-moi quand, dis-moi comment. Bah, il faudrait que j'observe pour ça. Allons observer. Si je trouve un moyen de monter, t'arrêtes de dire que le jeu c'est de la merde ? Non ! Clairement pas. Bah démerde-toi alors avec ton. Avec ton point d'observation pourri. Gameplay Michel. Meilleur gameplay du monde. Donc c'est là-haut. D'accord. Je sais pas si c'est la tour ou si c'est la grosse cathédrale. Non, c'est la tour. Non, c'est la redresse. Quand on a la cathédrale, c'est pas du tout. Oui, mais des fois, il y a le dôme et c'est de l'autre côté du dôme. Pour l'observation. Je sais pas comment. Des fois, dans la cathédrale, t'as le dôme là. Oui. Et le point d'observation, il est ici. Mais oui, là, c'est la tour. On est d'accord que c'est la tour. Eh ben, il faut que tu ailles monter sur la cathédrale. Et de la cathédrale, tu peux sauter sur le toit. Comment on fait ça ? Tu trouveras une... Ah, merci. Il me semble que de l'autre côté de la cathédrale,
Pas par en bas, par en bas. On avait déjà testé ça. Pièces à 42,55. C'est quoi la 42,55? Je ne sais pas. Je vais regarder ça tout de suite. Mais fais pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la pelleteuse à godets. Regarde. La vache. La vache. C'est la pelleteuse à godets. C'est quoi un godet? C'est ça. D'accord. Putain, elle a pas l'air de faire rire, hein. Ah bah c'est haut, hein. Allez, tombe pas mon loup. Tu vois, on peut monter. Tu fais de ça. Oui. Mais t'as oublié un coffre? Eh oui, il y a un coffre. Ah, faut que je redescende plus là, je pense. C'est ça. La preuve, c'est que tu remontes. Hein. Oui. Bah parce que t'as pas d'autre moyen de descendre, en fait. C'est chiant. Ce que t'as fait là. Et du coup tu vas reprendre. T'es mauvais. T'es mauvais. C'est un plaisir. T'es mauvais. Putain, il y a c'est pas plaisir. Dans tes points de chaîne, t'as rien qui t'es mauvais. Tiens, si ça. Obtenu cette récompense. T'as mis un. Vous avez déjà obtenu cette récompense. Je m'en fous, je la reveux. T'as un cooldown de 30 secondes par utilisateur. Merde. Je m'en fous, je vais spammer jusqu'à ce que ça marche. Calme-toi. Parce que t'es mauvais. Allez. Non, mais c'est long, 30 secondes. Qu'elles disent toutes. Si, il a la fièvre chez lui. La fièvre, mais je suis loin du routeur. Il est loin du routeur. Et en vrai, oui, le PC, il galère un peu quand même. Faut bien l'admettre.
Ouais, t'as ma config dans la bio pour voir à peu près où on en est. C'est ça. Il est totalement wifi. Honte à lui. Je suis totalement wifi parce que j'ai pas le choix. C'est pas 30 secondes que t'as mis. Bon, c'est 60 secondes de cooldown et 30 secondes pour l'utilisateur, je crois. Ah bah écoute, je peux toujours pas. You, ce con de coffre. Oui, il est totalement wifi. Mais normalement, ça devrait pas. Normalement, ça devrait pas durer. Non, ça, normalement, on va passer sur une salle filière. Dans quelques temps. On va bouger le setup et on va se rapprocher du. Non, il veut pas. Parce que t'as été méchante avec moi, ça. Non, il veut pas. Mais ça mérite, mais il veut pas. Non, mais en plus, il aurait la possibilité de se mettre en filaire. C'est juste que ça ferait que son fil il traverserait toute la baraque, quoi. Voilà, c'est chiant. Mais c'est faisable. Mais il a pas dit que c'était pas faisable, il dit que c'était chiant, j'avais pas envie d'avoir un câble de 30 mètres là, qui casse les couilles toutes les 5 minutes pour fermer les portes. Là. Moi je préfère largement pas pouvoir fermer les portes que bosser en wifi. Clairement. Après je dis ça, j'habite en studio donc ça va. Mon câble il fait pas 30 mètres. Bon. Du coup, là, c'est quoi? C'est où? Ça, c'est dans la cathédrale. Mais je pense que tu n'y as pas accès. Je pense qu'on n'a pas accès. Ah, t'as vu? Oui, j'ai vu. C'est un tombeau. C'est un tombeau. Mais je pense qu'ils sont là dans les coffres, peut-être. Allez, on va aller voir ça. Du matos pour le réseau? Pour la connexion? Oui, pour l'ordi. D'accord. Pour l'ordi, il aurait surtout besoin d'un ordi. En fait, ce truc là, moi j'ai passé des heures dessus parce que je galérais. Hein. D'accord. T'es pas prêt, hein? Nicolasia, faites en sorte de vous tenir à l'écart des fresques murales. Et quand vos hommes peindront la coupole, veillez à ce qu'ils n'abîment pas les reliques sacrées qui se trouvent dans la lanterne. Ce sont les objets les plus précieux de notre cathédrale. Oui, oui, Padre. Moment que vous payez bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Oh, mais c'est comme ça qu'on rentre dans la cathédrale, visiblement. J'ai peut-être celle en. Oh. On va marcher sur les fresques. C'est tu démerde-toi, trouve le chemin. Tu vas à la zone. T'as un PC qui t'attend. Oui. Je savais pas. Tu m'appelles. Si, tu m'as 15 fois. Hein. Tu m'as dit que Crackmere il t'avait proposé de. Mmh. C'est tout ? Non, je vais te la poser. Ok. Encore. Ok.
s'en fout. Ah, gameplay, chef. Ben, si je tombe, je pourrais prendre ce raccourci. Ça, c'est marrant comment il fait ça, parce qu'à chaque fois, il fait tomber un truc, il dit « Ça, c'est bien !» Du coup, j'aime bien. J'ai eu la botte dont je te parlais, d'ailleurs, au téléphone cet après-midi. Bah, c'est toujours aussi un sketch. Ils sont très intéressés par mon profil. Parce que c'est le meilleur CV qu'ils aient jamais eu quasiment. Alors, autant te dire que les autres CV ça doit vraiment pas être fou. Mais donc ils sont prêts à me faire une fleur, à me payer 1900 net avec éventuellement une prime de 13e mois. Et oui mais non. Merci mais non merci. Une 9 net. Que j'ai envie de bosser sur ce genre de truc, faut que je m'y retrouve financièrement derrière quoi. C'est à dire que si je dois me payer deux séances de psy en plus parce que je fais de la merde, faut que ce soit eux qui le payent quoi. Non, c'est peut-être pas sur celle-ci que j'ai galéré le plus en fait. Ah oui, maintenant que je trouve ça facile, non, parce qu'il y en a une autre où t'as un timer, mais c'est peut-être sur Wolverine. Cathédrale où t'as une espèce de timer aussi, je sais plus, mais si sur celle-ci j'ai galéré de fou aussi, tu rigoles quoi. Sur celle-ci j'ai galéré de fou. Ah tiens, lui il se réveille. Pas ouf comme non c'est pas fou comme sondage, c'est pas foufou. On est tout là. Oui. Ouais, c'est pas foufou. Essayez de voter pour un truc pour voir. Faut que je fasse. Point d'exclamation, vote. Tac. Tac, je présume. Mais. Non, sans le. Sans le. Les braquettes. D'accord. Moi il m'a rien dit. News vote. C'est pour ça après comme il y a le tac tac. Non c'est pour HD. Le football. Ah d'accord. C'est pas fou hein. Non c'est pas fou. Alors du coup est-ce que moi je peux, et de là je peux pas du PC, du ah si peut-être non.
Et on peut créer un sondage sur pendant le stream. Mais il faut que je le fasse du PC. Je peux pas le faire de. Je peux pas le faire du téléphone en tant que modo. Je sais pas trop quand est-ce qu'on pourra avoir le temps de passer, malheureusement. T'habites où ? À Cahors. Ah, c'est où Cahors ? À Toulouse. Ouais, une heure à Toulouse. Ouais, c'est pas à côté en plus. C'est dommage ça. Ouais, je crois que tu devais venir passer un week-end ici pour te ressourcer un peu. Ouais, c'est bien ça. Tu peux pas sauter tout droit ? C'est un peu. Ouais. Il me plaît, je le mets pas trop quand même. Mais tu tournes ? Mais non, je voulais pas. J'ai essayé. Non, il veut pas. J'ai pas le droit de dire boue. IMF, tu veux pas utiliser 90 de tes points de chaîne, s'il te plaît, pour utiliser la récompense boue ? S'il te plaît, moi je peux pas. Je suis bloquée. J'ai déjà obtenu cette récompense, mais je m'en fous. Ah putain, est-ce que t'es pas bloquée une seule fois ? Bouh ! Bouh ! Pour le moment. Bah écoute, moi je veux pas. Et si je mets celle ? Mais vous avez déjà obtenu cette récompense. Je peux plus rien utiliser. Bout de Cartman, ouais. Parce qu'il est mauvais. Sinon, il l'entend quand nous on l'entend et après il l'entend. Ah oui. Bouh, Wally, bouh. Où les autres coffres ? C'est juste le sarcophage encore ? Désolé. Et hop, les doigts dans les yeux. Et là, je pense que s'il réessaye, ça ne marchera plus, hein. Je vais réessayer un autre. Et le Zer. Un que j'ai pas utilisé encore, par exemple. Je peux rien utiliser. Bon, mais c'est fini, pote. Oui. Comment on sort de là ? Je peux rien use. Je sais pas. Mais le. Je crois qu'il faut que tu descendes. N'oubliez pas d'emporter une serviette. N'oubliez pas d'emporter une serviette. Ah bah non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, moi, je peux pas use. Je peux plus de punching. C'est toi la serviette.
J'ai aucune idée de ce que je fous là. Faut pas me monter. C'est toi la serviette. Je crois que serviette là. Oui, ça marche. Je sais pas. Comment on appelle ça? Mais là, ça brille depuis tout à l'heure. En plus, parce que tu n'observes pas. Tourne. Là. Pourquoi ça brille? Ça brille pas plus que sur une autre fenêtre. On brouille leur truc. Bon, on a bien galéré, hein. C'était dur. Mais moi, j'avais galéré, je me souviens. Ah, il y a des coffres là-haut. Il y a des coffres cachés. Donnez-moi l'argent. Ah bah oui, c'est comme ça que t'atteins les coffres, en fait. Voilà. Alors, bon, du coup, sur ce, on va... Bon, un peu ça, là. Ah, mais attends. Quoi? Attends, parce que là, je viens de récupérer un bonus de... Bouh! Ouais. Bouh, parce que mon appli, elle avait bugué. Elle avait freeze. Je sais pas comment dire. Non, mais c'est bon, ça a marché. On entend donc. Non, mais c'est ce que je te dis, mon appli elle avait galéré. Bon, sur ce. Là, tu peux repasser 60 secondes de. Hein? Pour repasser 60 secondes de pub. Ah bon, oui. Je veux pas. Est-ce qu'on pourrait sauter quelque part? Non, là non. Tout redescendre. Mais là, je crois que t'es obligé de tout redescendre. Ça me paraît chiant, ça. Mais il me semble que t'es un peu baisé. Sur ce truc. Ah mais non, attends. Là. J'ai rien fait. Oh, merci. Merci. Merci, Doc. C'est fort aimable. Il fallait pas. T'as vu, je suis descendu. Ouais, bah t'es mort quoi! Super! Starnaker quoi! Putain! Je suis pas mort, je suis descendu. Bah merci, MF. Où est ce putain de. C'est coffre. Donnez-moi l'argent. Ça va être là-dedans. Oui. On va débattre. T'as vraiment fait ça n'importe comment. Pas du tout. Totalement. Attends, je vois ça. Mais j'attendais que mon prime soit revenu. Du coup, il faut que tu t'occupes des émoticônes niveau 2, parce que moi, je suis niveau 2, j'aimerais bien avoir des émoticônes exclusives, s'il te plaît. Bah, faudrait déjà avoir des émoticônes niveau 1, ça pas mal. Et ben moi, je veux des émoticônes niveau 2, parce que j'ai un abonnement niveau 2, j'aimerais bien des émoticônes exclusives, s'il te plaît. Oui, mais j'ai entendu la première fois. Ah
Ah, c'est ça, tu vois les points d'abonnés. Tu gagnes un point d'abonné par abonnement ou par niveau. T'as que 2 abonnés, mais t'as 3 points d'abonnés, t'as vu? D'accord. Parce que c'est un niveau 2, ça compte comme 1 plus 1. Oui, non, j'ai compris. Mais je sais pas à quoi servent les points d'abonnés par contre. Des émoticônes niveau 2. Parce que moi j'ai un abonnement niveau 2, j'aimerais bien des émoticônes exclusifs s'il te plaît. D'accord. Puis ça t'évitera de râler sur Assassin's Creed de moi. Je veux un émoticône Assassin's Creed pour mon abonnement niveau 2, s'il te plaît. Ah, tu veux qu'on fasse une salière avec une capuche d'Assassin's Creed, par exemple? Ah ouais! Ah, ce serait marrant! Sinon, je lui teins les cheveux. Il a pas besoin de moi pour se teindre en blond platine, hein. Ça va. Il attend juste que la couleur s'en aille. Qu'est-ce que c'est, ça, hein? C'est où? Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, c'est le pigeonnier. Une mission d'assassinat. Et du coup, maintenant, moi, quand j'écris, c'est quoi mon badge? Nos ennemis conspirent contre nous. Ils menacent la ligne de ravitaillement de Florence. Tue le marchand sur la place du marché du quartier Saint-Marc. San Marco. Oh. Bon, non, j'ai rien. J'ai pas de badge. Trop la louche. Non, parce que j'ai pas fait les badges encore. Je veux un badge. Mais oui, mais je t'ai dit que je ne savais pas encore, il fallait que je réfléchisse. Ah si, j'ai une petite étoile. Mais je la vois pas sur le téléphone. Sur le téléphone, j'ai que l'icône modo et... Le diamant level 1, ouais, c'est parce que j'ai donné deux bits. Parce qu'elle m'offre des bits. Je lui offre des bits. Et du coup, je suis première dans le classement. Comme toi, du coup, t'as le petit cadeau, hein. T'es premier dans le classement sur les abos. L'épée, c'est parce que je suis modo, et la petite étoile, je sais pas ce que c'est. Il faudrait passer la souris dessus, mais pour l'instant, comme on est en train de jouer. Ah putain, je peux te troll du coup. Ah non, je peux pas te troll. Oh merde, je suis gavé. Je suis déçu. Ok. L'étoile, c'est l'abonnement. Très bien. Abonné depuis un mois. Ah bah oui, après l'étoile, elle change de couleur en fonction des nombres de mois que t'es abonné. Désolé, je voulais pas, Mais aucun deal. Laissez-moi vous conseiller. Fais gaffe, c'est un... Mais... Voilà. A chaque fois j'ai l'impression que tu utilises Apple. T'as quoi comme 960? Ouais. C'est ça, une GTX 960. Mais oui, mais c'est. Tu es un citoyen? Mais non, c'est lui là, il s'est mis sous ma lame. Attention, Ezio, ne tuez pas de citoyens. Je fais ce que je peux. Si tu tues des citoyens, tu te fais désynchroniser. Ammirate i prosciutti! Là-dessus, je pense. Non. Côté du mur, je pense. Oui, tu peux me mettre de côté. Oui. Approchez, mes amis. Une saignée chaque semaine, c'est la garantie d'une bonne santé. Pas trop ce qui se passerait sur ce la PC. Carte... Ah, parce qu'il y a la carte mère et le processeur aussi. Ouais, le processeur il est un peu en PLS là. En même temps, processeur c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on change le plus rapidement en fait sur ton PC. Ouais, mais du coup, faut changer la carte mère. Ouais. Venez, mes amis, cette semaine, tous mes prix sont sacrifiés. Oh, moi je veux la RTX 3080. T'as réussi à rentrer des 3080? Ah, oh, ouais. Moi je la veux. Mais que si tu la fais à 50%. Parce que c'est clairement hors budget la 3080. Je croyais qu'il y avait zéro stock là-dessus. Il y
Il y a plus de ouf de stock, hein. Enfin, il y a, c'est vrai qu'ils ont des gros problèmes de stock sur les cartes graphiques en ce moment. Hugo, comment ça va? Coucou Hugo. Bah écoute, nous ça va, toi? Ça va, tranquille. Ouais, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Et il a fait une course. C'est clairement pas le bon. Une pléchette. Tu lui demandes pas de s'accrocher, il s'accroche, et quand tu lui demandes de s'accrocher, il s'accroche pas. Tu galères pas trop, Hugo, ça va? Le mec est plus assassin que moi, quoi. Parce que t'es pas fortiche pour assassin, quoi. Voilà, tu l'as poussé carrément. Vite, lâche. Il veut pas. Allez, remonte, trop tard. J'ai pas de mais ouais, mais je sais pas ce que tu. Et je vois pas, je comprends pas pourquoi il ne veut pas le pêcher au sol. Mais qu'est-ce que tu peux pas apporter? Bon, bah ça va là. Alors, s'il te plaît, tu viens sur la gauche, merci. Il est spawn, un bel élément. On va pas récupérer 500. Donc on disait. Ah, le prix c'est ouf, je trouve. C'est une émission, non? Ah oui, on attend que ça, moi. Ah bah oui, et si vous me le dites pas aussi. Un coffre. Toi, tu donnes envie de vomir avec ta caméra. Mais. Déjà, une fois, il t'a dit non. Mais. Non, il t'a dit non. Mais tu peux là. Non, il peut pas. Mais bien sûr qu'il peut, il le fait là. Merde, il le fait. Pourquoi il le fait pas à côté? Parce que de l'autre côté, c'est une plus petite échelle. Une plus petite. Plus petite fenêtre. Bah, le processeur Intel que j'ai trouvé, moi, je le trouve pas si cher que ça, hein, au final. On a pris un i7 10e génération à 350€. Et du coup, je le trouve pas si cher. Alors, je l'ai pas encore acheté, donc le prix peut évoluer, hein. Mais sur les CG, ils ont pété les plombs encore. Mais sur les cartes graphiques, ouais, ils... La 3080, elle est à 1007, je crois. Donc c'est la 390. Oui, on parle de carte graphique et de processeur. Le modèle. Enfin, c'est un 1007 10e gen. Oula, il y a un fort modèle. Mais... Je crois qu'on a pris un 10e gen. Mais non, Hugo, t'inquiète. On peut tenir plusieurs conversations en même temps si tu veux. Faut que tu le vises, hein. Mais vise-le, voilà. Bah ouais, mais tu le vises pas. Ah ouais, il a pas gardé la flèche, ok, non. Non, il a pas gardé la flèche. Chute. Chute, pouf, il tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça?
Qui a osé? Nous ne savons point. Ouais, en gros, c'est un peu ça. Faut que ce soit joli. C'est pas ça que je voulais faire, mais ça marche mais aussi. Ça marche aussi. Ah, t'es chez mieux, même. Leonardo. Mais je veux juste le coffre. Mais c'est juste côté du coffre. Bah, c'est un jeu Ubisoft, Hugo, donc ça marche. C'est de la magie, ta gueule. On n'a pas vérifié. On a vérifié. C'était DP. Je sais plus exactement ce qu'on a fait, mais oui, sûrement. Oui, d'accord. Bah, il m'a aidé à choisir les composants du PC en vrai. Donc, ce qui s'est passé entre les Médici et les Pats, c'est pas trop ça que je cherchais. Mais est-ce que tout soit compatible? Ah, peu importe. Grâce à toi, la cité a retrouvé son calme. Mais dis-moi, de quelle façon puis-je t'aider? Ah, une autre page. Le codage utilisé n'a pas changé. Ce ne sera pas qui. Fascinant. Alors, quoi de neuf, Hugo? Comment ça se passe là-bas? Tu vois les tempêtes de sable ou... Il y a un jet de poison. Une lame. Oui, il y a un jet de poison. Il faut seulement que je C'est-à-dire qu'en plus de le tuer, on tue. Non, en fait, quand tu l'empoisonnes, il devient fou et tu sais pas ce que tu as à faire. Avant de mourir. Ça y est. J'ai rempli ta lame avec une petite quantité de poison. Pour la recherche, il va trouver un médecin. Du poison? Chez un médecin? À forte dose. Ce qui peut guérir peut tuer. Mon ami, je te suis. La note musicale, c'est normal. Normal. À cette époque, les médecins, ils donnaient de la cocaïne pour soigner. Ah ouais? Ah, c'est pour ça qu'à forte dose, ce qui peut guérir peut tuer. Mes prix sont si bas que vous n'en croirez pas vos yeux. Venez voir. Vous ne serez pas. Chiche. Chiche, tu nous envoies du sap par la poste. Tu lui prends, je ne sais pas. Tiens, t'as vu, je suis full life. Oui. Je crois qu'il me restait qu'un quart de vie. T'as pas RP, c'est tout. Ah, mais quand tu recrutes de manière un peu rapide, t'as pas trop le choix dans ce que tu recrutes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? On n'a pas fait ça. Ça les aide pas. Est-ce qu'on n'irait pas se faire un petit tombeau de templier là. Si tu veux. Si ça peut te faire plaisir.
Comment faire? C'est aller chercher lui, remonter, vider les trésors un peu qu'il y a dans le coin là. Mm-hmm. Récupérer la poche du codex. Mm-hmm. Et faire le templier. Mm-hmm. Tu peux faire des trucs complètement cool. Tu peux faire des trucs un peu débiles avec. Notamment réagir. C'est pour avoir des mini vidéos et des sons. Genre, tu vois, quand il est chiant et qu'il râle pour rien, tu peux envoyer ça par exemple. Voilà. Sinon, quand tu dis bonjour, tu peux envoyer ça si tu veux. Hello there. Sinon, quand tu dis au revoir, et ben du coup tu vas partir avec ça. Je vous emmerde. Je rentre à ma maison. Voilà. Et après voilà. Et après, quand tu fais du caca, t'envoies ça. Boo Wendy. Boo Wendy. Boo. Voilà. En gros, je veux pas tous les faire, hein, parce que voilà. Mais et si tu veux choisir un jeu auquel il devra jouer la prochaine fois, et bah t'économises 5K et tu choisis. Respectez mon autorité. Respectez ma putain d'autorité. J'ai bien envie de d'économiser 5K de Lego. Me faire jouer à quoi? Je sais pas, un bon gros jeu de merde. Assassin's Creed 2. Tu l'as cherché celle-là ou pas? Je trouve bizarre que tu l'aies pas vu arriver. Je vais te faire jouer aux Sims 1. Non, parce que t'as même pas le droit de sortir. Non mais c'est pas vous, hein, c'est juste lui. C'est pas moi. Moi je joue pas, je regarde, tu vois. Et puis bon, je suis pas obligé d'être là, hein. Mais c'est lui. Ou Barbie. Barbie style. Les sœurs Ashley. Oh, les sœurs Ashley. Pas ce que c'est. Si, JDG, il avait fait une vidéo découverte dessus. Les sœurs Ashley au centre commercial. Elles font du shopping. Ou alors Assassin's Creed 1.5 sur DS. J'ai pas de DS. Mais il y a des émulateurs, t'inquiète pas, on va trouver ça. De toute façon, voilà. Choisissez un jeu à ma place, donc à partir du moment où ils choisissent, t'es obligé d'y jouer, c'est tout. Alors, comment qu'on est? Alors, est-ce qu'on peut empoisonner? Ah, on va essayer d'empoisonner histoire de faire le beau jeu. Le problème, c'est que tu es obligé d'empoisonner là par devant. Du coup, ils vont te voir, on va voir, c'est un peu chiant. C'est très confortable, c'est sûr. Ben non. De quoi? De rien. Ah oui, si. Je sais pas s'il attaque les autres. Ouais, il attaque les autres. Ouais, c'est ça. Enfin, il les blesse, quoi. Et je crois que tu peux y passer en même temps, hein. Tu peux en profiter pour passer, il me semble. Farm Simulator, il est bien ce jeu. Moi j'y ai passé beaucoup de LAN, hein. Il se donne un peu un spectacle. Il se donne totalement un spectacle. Voilà. Merde, merde. Encore un cadavre. Encore un cadavre. Comment ça devenir la sang? Quelqu'un a assisté au crime? Vous avez vu ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Où est le meurtrier? Fais gaffe, il y en avait plein. Oui. Fais gaffe parce que l'autre derrière. Il est vénère. Gautine Letter. Ah non, There is no game. Non, Untitled Good Game. Je
juste pour les faire dépenser de l'argent pour du caca. Oh, Cyberpunk 77. Tu peux pas le faire tourner. Si, tu peux le faire tourner en extra low. Non, je pense que déjà GTA il est en PLS alors. Voilà ce qui arrive quand on finit par se détourner du droit chemin. 3 fois 1. T'as vu, c'est. C'est horrible. Qu'est-ce qu'ils attendent pour nettoyer tout ça? On se le demande. Sinon, on te force à jouer à vous. Oh. Et ouais, dire que ça a failli être toi. Tu veux que tu commences à être connu, hein? Ouais. Je vais aller faire un truc. Ouais. Et après, sur PC, sur bon PC, il reste franchement correct, hein, Cyberpunk. Bon, sur PS4 et Xbox One, c'est un scandale, mais sur PS5 et sur PC, qui est très bien configuré, ça reste un très bon jeu. Avec quelques bugs, mais enfin, qui n'a pas joué à un jeu sans bug, quoi. Bah, c'est pas un si bon jeu que ça. Mais il reste beau, si tu veux. Oui, du moment où t'as la machine pour le faire tourner, mais ça reste un très beau jeu. C'est une vitrine pour le RTX, mais... Oui. Mais le jeu en lui-même est pas foufou, hein. Non. J'hésite à faire des lives EVE Online, d'ailleurs. Sur PS5, à ce qui paraît, il tourne franchement bien, hein, Cyberpunk. D'ailleurs, vous avez un PC qui a pris feu ? Donc on disait, on fait ça et après les Templiers. Ouais, les coffres et les Templiers. Oh oui! Mais non, il y a moyen qu'ils s'amusent sur Fortnite. Et Fortnite, moi j'aime bien. Hein. Non, il y a moyen qu'ils s'amusent. J'aime bien le principe. Ouais. Maintenant, voilà, les joueurs, c'est cancer, c'est que des gamins et. Voilà, c'est un peu GTA Lite, quoi, la commu. Et moi, Fortnite, quand il est sorti à l'époque, j'avais essayé et je m'étais amusé, hein. Et EVE Online, non. De l'autre côté, je pense. Ça, c'est l'entrée du machin. De l'autre côté, je pense que tu pourras mieux rentrer de l'autre côté. EVE Online, non, j'avais joué vite fait sur mon laptop, mais il n'y avait clairement pas de quoi le faire tourner. Non, et maintenant que. T'as un PC. Donc j'ai un truc qui ressemble à un PC. J'aimerais bien un peu le relancer et voir un peu comment ça marche. Et je me dis que ça peut faire des lives un peu sympas. J'aurais bien le coup. Mais c'est toi que tu cherches la merde aussi. Le truc, c'est qu'il faudrait que je redémarre depuis zéro parce que. Parce que tu connais plus rien, quoi. Parce que déjà, j'y ai pas joué très longtemps et. Je pense que j'avais pas dépassé le tuto vraiment. Mais ouais, ça fait une semaine ou deux là que je me tâte. Je me dis putain, je resterai bien EVE Online pour. Pour live un peu dessus. Ouais, mais il faut que je fasse les tutos, les trucs, je me souviens plus de rien. Sauver Lorenzo des Templiers. Attention, zone non autorisée. Je me rappelle pas de. De cet endroit. Que s'est-il passé ici? Signor Lorenzo! Signor Lorenzo! Ce pauvre Lorenzo est souffrant. Hey! C'est toi qui as tué Francesco De Pazzi! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Avec plaisir! Avec plaisir!
C'est lui. Tu vas pas commencer à faire la pleureuse en mode il comprend jamais, c'est chiant. Comme dans l'heure, à son mort. Non, non, mais c'est pas bon. C'est pas bon niveau timing. Ouais, ils font toujours des petits jumps quand ils meurent. Ils meurent et après, jump, ils sont morts. Tu vas pas le fouiller, c'est un enfant mort. C'est fou, peut-être qu'il a des bonbons. Quatre forains, putain, les mecs, vous êtes des Templiers ou quoi là? Pas du tout, c'est des soldats. Je fais quoi maintenant? Je sais pas, tu vas tout droit? Voilà, tu vas de l'autre côté. Bisous, Dak. Bisous. Bonne nuit. Bisous à tout le monde. Non, c'est pas la même truc. Bah, t'essaies de regarder si tu peux tenter. Ah bah, tu peux tenter. Je me rappelle pas du tout de cet endroit, tu vois. Je me dis rien. Bravo. Hugo il est parti. Je vous emmerde. Je rentre à ma maison. Hugo dès qu'il a 5K. Ciao ciao IMF. Putain, faut que tu évites les gardes. Ou je les tue tous. Tu les tues tous, mais c'est, tu vois, c'est fait exprès pour que. Pour que tu les évites, quoi. Tu lui lances un coup de temps de lancer, hein. Ouais, ils vont pas mort, hein. Ah, vas-y, montre. It's over, Anakin. I have the high ground. Pas de témoin. Si personne pour témoigner. Vas-y, quoi, tu peux descendre. Mais ça monte vite, hein, en vrai, les 5K, Hugo. Ah. 2K8, mais moi j'arrête pas de les dépenser depuis. Là j'ai fait 90 plus 90. Le truc c'est que ça monte 70 par 70. Donc si j'en dépense 90 toutes les 3 minutes, ça baisse plus vite que ça monte. Mais tout à l'heure j'étais à 3K1. Je crois que tu peux monter sur la sur le tableau. Oui, une échelle. Faut qu'on y aille, Chuchu. Bah,
C'est mieux, quoi. Je suis certain d'avoir entendu du bruit. C'est le moment de mériter vos florins. Allez, jetez un œil sur le parvis. Et vous, suivez-moi dans la chapelle. C'est le moment de mériter vos 3 euros. Allez, c'est risqué votre vie, s'il vous plaît. Alors qu'il est, il doit être mort. Ou pas. Je crois que tu peux te cacher, non? Je peux te mettre à découvrir. Vous m'avez pas vu. Là-bas, toi, tu n'iras nulle part. Pas de témoin. Ouais, tu passes par dehors. Oui, oui, mais on va voir ce qu'il y a là. Ah oui, non, d'accord, effectivement. Personne ne peut témoigner s'il ne reste plus personne pour témoigner. Hugo, bon courage, à bientôt. Ah, putain, les mecs ont 3 florins sur eux, quoi. Petit Mars. C'est lui là. Tu sautes de travers. Mais non. Il saute là où tu regardes la cam, hein. Non mais quand il veut. Des fois il saute, tu lui demandes de sauter droit et il saute à l'autre bout du monde. La cam, je peux pas la bouger de toute façon. Question. J'en suis sûr. Il est là. Allez. Ouais, c'était pas ouf, hein. Trouvez un moyen d'entrer là-dedans. Vous avez entendu? Vous avez entendu?
Vous deux, allez chercher une échelle. Une blé échelle. Ils montent tous sur les murs pour me latter la gueule, mais quand il faut faire des trucs, échelle quoi. Alors comment on va pouvoir marcher? Lorenzo ne se montre toujours pas. Il est en faux du temps. Si vous aviez été plus discret, il nous aurait pas entendu arriver. Merde! Merde! Tu as fait autant de bruit que nous. Ça suffit. Ouvre l'œil, c'est tout ce qu'on vous demande. Il discute. Ouais, donc je voulais les tuer. Mais t'as vu qu'il y avait un levier à prendre dans cette salle? Tu de la combattre. Non, c'est où? Il était où le levier? Il est montré dans la vidéo. Quand ils ont montré comment où aller, ils ont montré un levier là, il faut regarder. Non mais si, en plus il faut regarder les explications, on va pas s'en sortir. Bah. C'est ouvert. C'est ouvert. Qu'est-ce que c'était? Ça venait de la chambre. Celui qui l'a ouvert, s'il l'a ouvert, encore. Il y a un intrus dans la chambre. Allez, tuez-le. Si, capitaine. Mais je vais dans les lignes. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Il est là. Il ne peut pas s'échapper. Là tu pourras pas les. Contrer. Et puis ils font, très mal. Hein. Ouais, la caméra c'est. Tu peux les esquiver si tu veux. Et tu leur donnes les coups de pied. Ils lâchent leurs armes. Vous avez entendu? Vous deux, allez chercher une échelle. Ah oui, montre le levier. Bien fait. Qu'est-ce qu'il fabrique avec l'échelle? Lorenzo ne se montre toujours pas. Il est en faux du temps. Si vous aviez été plus discret, il nous aurait pas entendu arriver. Merde! Merde! Tu as fait autant de bruit que nous. Ça suffit. Ouvre l'œil, c'est tout ce qu'on vous demande. Oh.
Qu'est-ce à dire que ceci? Qu'est-ce que c'était? Ça venait de la chambre. Celui qui l'a ouvert, c'est toi encore. Il y a un autre dans la chambre. Allez, tuez-le. Si, capitaine. Bon, mais tu parles sur lui, oui. Weasley. Mais... Ah, mais tu vas finir super, hein. C'est pas un bon sens. C'est cool. Oui, mais c'est parce que tu arrives à les déstabiliser, si tu peux leur donner un coup de pied pour les tuer. Au moment où ils sont déstabilisés, là. Comme ils sont plus lourds. Oh, Florent, putain. Ah ouais, ils méritent pas leur salaire, hein. Ils ont même pas récupéré leur hallebarde. Ouais, elle est pas folle, hein. Ça se... ça serait revendu. Je passe par où, hein. J'imagine. Arrière. Baissez votre épée, c'est moi. Ezio Auditore, tu viens encore me sauver. D'abord, ils saoulent mon église. Et maintenant, ils entrent chez moi. Ils ne s'en prendront plus jamais à vous. Regarde autour de toi, nous sommes dans une des salles du trésor. Je t'autorise à prendre ce que tu veux pour te remercier de ce que tu as fait. Dis-moi, mes appartements sont-ils sûrs? Oui, Signore. Votre générosité me rend tout cœur. T'as la main avec ton je dois partir. Mais je reviendrai vous voir quand tous les pâtis seront morts. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Bonne chance. Oui, oui. Donne-moi le coffre. Comment tu parles? T'as 10 cas, hein. Je sais pas combien t'as dans le coffre de la villa, mais t'es bien. Alors, je sais pas, 2005. 2005? Je pense que tu attends un peu plus. Ouais. Ah, quand t'as commencé le live? Non, pas en live, il y a pas de lien, 25 000, tu veux dire? Non, 25. T'as pas mis les doigts dans les yeux, là. C'est pas drôle. Mais non, parce que c'est pas un tombeau d'assassin, ça. Bah, je sais. C'est un coffre. Ouais, mais du coup, on préférait peut-être mettre les doigts dans les yeux. Là. Paf, 3250. C'est cadeau. Peut-être me préférer mettre les doigts dans les yeux d'un templier que dans les doigts dans les yeux d'un assassin. Non. Les morts synchronisées. Lorenzo a été sauvé. C'est une beauté. C'était pas si pire. Tombeau des Templiers. Ça me... Tu me dis, non, t'es pas prêt pour les tombeaux et tout. Pour les tombeaux? Bah non, celui de la semaine dernière, t'as failli rage quitte. De toute façon, ce jeu, c'est de la merde, la mécanique est pourrie, le gameplay il est naze.
Non, j'ai dit un élément du gameplay qu'ils ont rajouté au pif là pour le truc et c'est à chier. Sinon tout le reste, tu vois, quand ils mettent pas cet élément. Tu sautes sur des gens. Ouais, elle m'a saoulé. Elle a rien fait. Non, mais elle m'a saoulé. Va voir un forgeron, ton armure elle est cassée. T'en as un juste là. Ah mais non, parce que t'es mort. Elle est peut-être pas cassée en fait ton armure. Mais va pas voir de forgeron, ton armure est pas cassée. Super le backseat. Mais oui, mais parce que t'es mort entre temps, donc du coup ça te la répare. Forcément. T'as une quête pour... t'as une quête de Leonardo. J'ai vu. Tu commences à avoir des quêtes secondaires, ça y est. Oui, parce qu'on va bientôt finir le tuto. Oh non. Pas du tout bientôt finir le tuto. La fin du tuto, c'est la fin du jeu. Hein. Toi, il te faut au moins un tuto. Tu vois, t'as Lorenzo. Si tu veux, tu peux... Tiens, va chez le marchand d'art. Tu peux pas racheter d'autres tableaux ? Parce que j'aimerais bien finir de débloquer tous les trucs à la maison d'abord. D'accord, ok. Ouais. T'as une quête de Leonardo ou sinon la suite de la quête principale. Elle est où la quête principale? Elle est à Monteriglioni. Ouais. Ok, donc ça ce sera à la fin. Là tu peux aller finir Leonardo si tu veux. Tu peux aller finir Leonardo. Les quêtes assassinat c'est non-stop ou... Comment ça? Voilà. Oui. On avait déjà. C'était déjà là et c'était déjà. D'ailleurs, ça repop à l'infini. Bah, va dans ADN. ADN. Va dans. Non. Non. Top. À gauche, gauche. Ah, droite. Droite. Assassinat. Voilà, donc un. Donc t'as... normalement, je crois que t'as tout ce qu'il y a de rouge là. Ok. Un assassinat. D'accord. Dans Brotherhood, ils te disent combien sur combien t'en as. Ce qui est plutôt bien là, effectivement. Ils t'en montrent. Ils t'ont montré celui que t'as et les deux qui s'affichent en fait. Celui que t'as fait et les deux qui s'affichent. C'est tout. Donc non, je pense pas que... Tu vois, 10 300. Je pense pas que... Putain, ouais, t'avais que 10 500. Je pense pas que ce soit l'infini. Mais je pense qu'il y a que, peut-être que deux endroits où ça peut pop, j'en sais rien. C'est quoi, une table de paysan avec mon armure, là. Je pense que j'ai autre chose à foutre, parce que sinon... Récupérer une page de codex, non? Bah, c'est pour ça que je dois aller voir le web. Ah oui, c'est pas une quête, pardon. C'est un décryptage. Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi? Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. Parce qu'à un moment donné, il te donne des quêtes, mais c'est peut-être dans Brotherhood. Hein. Ceci va en bas, ceci en haut, ensuite on combine avec. Voilà, c'est bon. Bon, du coup, on va rentrer machin. Monteriglioni. Sur la route, on va se faire ça là. Tous les coffres. Sur les coffres qui sont là. Et la mission assassinat aussi. Celle-là là. Oui. Mmh. Ouais. Puis le. Ouais, ok. Je crois que ça va te débloquer du coup un nouveau point de voyage rapide. Maintenant, tu pourras choisir si tu arrives par l'est, par l'ouest, tu vois. Pardon, parce que j'ai pas le temps en fait. J'ai oublié de vous dire, je suis pressé. Tu sais que... Là. Tu peux aller là. Par exemple. Mmh. Il me semble que tu avais un voyage rapide... Ah, t'as un voyage rapide là. Oui. Si tu veux aller là.
Écoute, tu vois, bon, je suis pas sûr que pour le coup ce soit rentable, mais tu peux, tes voyages rapides, ils te servent pas à aller que à monter. Mmh. Ou en tout cas, voilà. Ça prend beaucoup trop de temps pour une explication. On est d'accord? L'ami, je peux soigner vos oignons! L'urine de mouton et les catapultes. Tu veux qu'il soigne tes oignons? Ouais, soigne mon oignon. Imbécile! Parti en marche. Si, pardon. C'est plus, je me retire mon marqueur, on va pas s'en sortir. T'as pris un. Oui, c'est parce que j'ai bousculé un mec. Bah ouais, mais pourquoi? Faut pas bousculer les gars. Mais j'ai pas le temps. T'es fou. J'ai pas le temps là de regarder. J'ai pas le temps. Mon esprit. Glisse ailleurs. Non, c'est toujours pas ça. C'est pas mon esprit glisse ailleurs. Non. C'est quoi? Est ailleurs. C'est vraiment est ailleurs. D'accord. Je pensais qu'il y avait un i dans le. On a déjà eu la discussion. Hein. Bah ouais, non mais je. Mon esprit, designer. Toujours pas votre rage. Empoisonne-le! Et je crois que pendant qu'il fait son spectacle, tu peux rentrer en scred. Il me semble. Je crois qu'il reste un lit de libre au donjon. C'est une guerre de vache. D'ailleurs, pas. Rien n'est pris. Si c'est du haut d'une tour, c'est à ça qu'il ressemblera. Et là, je crois que tu peux rentrer. Hein? Je pensais que tu pouvais rentrer, tu vois. Etio est quand même meilleur en combat que Tail. Oui, complètement. Alors.
nous dit celui-là, et après l'émission d'assassinat. Oui. Descends tout de suite là-bas. Va vite. Il va s'échapper là-bas. Ne le laissez pas se battre. Chut. Fais dodo. Mais... Mais non, pas du tout. Oh là là. En fait, moi, je voulais juste aller voir un pigeon. À la base. Nous, on est vus tranquille. Eux, ils ont commencé à taper. Voilà. Faut attaquer des archers maintenant. T'as vu, je suis descendu, c'est bon. N'arrive pas. Approchez, mes amis. Une saignée chaque semaine. Ah, il y a une plume. Mm-hmm.
Lui là-bas, hein. Ouais. Je dirais que c'est lui, ouais. Tu peux pas l'avoir de là ? Faut qu'il se rapproche du toit. Non, mais tant que c'est pas en surbrillance, tu peux pas les verrouiller. Bon, donc on disait. Tu vois, ça repop. Oui. Bon, on va faire ces trésors-là. Ces trésors, on va remonter. On va remonter jusqu'à là. Ouais. Celui-là aussi. Et après, on va rentrer. Mon intérêt, je peux soigner vos oignons. L'urine de mouton et les cataplasmes de romarin, mira. Trouve ça amusant. Je pourrais peut-être me l'agrandir ton sourire. Agrandis-moi là. Moi je trouverais ouais, ça, ça amusant. Là-bas. Bah non. Non. Exactement ce que je voulais faire, mais. Mais ça marche. Ouais, fais gaffe à ton indice de recherche par contre. Ouais. Qui a mis ça? Tu dis jamais des propos? Non. Est-ce que. Il ne faut pas me rendre moi-même. Oui, oui, hâte de parler. Hein. Sur la route, il y en aura d'autres. Hein. Donc allez, on a dit ce coffre là. Mec cache des coffres dans les champs quoi. Je crois sur Minecraft.
Ça va être chiant. Dieu vous bénisse. Continuez. Non, pas moi. Ah, c'est mieux. T'as vu? C'est un peu moins chiant du coup. C'est vachement plus simple. Tu pouvais pas juste faire le tour du mur. Ah non, je suis un assassin. Et s'il y avait une échelle là, c'était une jackpot. D'abord t'améliores le forgeron et après tu t'achètes des armures. Pays dans le game. Buongiorno. Salute, salute Serenzio. Voulez-vous consulter les tarifs? Bon, ensuite. On va libérer ça. Oh, tu veux te motiver de faire tout le tour de la cité pour aller voir la mine? Ouais, pas là tout de suite, mais il va falloir à un moment donné.
vas t'en rappeler que tu l'as pas fait? Oui. Bon voyage. Bon voyage. Salut, Claudia. Tu veux consulter le livre? Oui, s'il te plaît. 5900, 20 minutes. Si tu poses les... T'as récupéré des plumes? J'ai peut-être récupéré des plumes, mais j'ai pas une page de codex aussi. À bientôt. Si tu passes les pages de codex et les plumes, ça va augmenter aussi. Ezio, je t'en prie, approche. De nouveau un tel honneur. Bon, 10, mais... T'en as peut-être plus. Déjà. C'est pas une flèche? Non. Ça a l'air d'être cohérent. Celle de au milieu, celle-ci, non, en haut. Celle-ci, elle a pas l'air ouf. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Ouais. Mais du coup, ça, il manque un truc. Je sais pas, faudra voir après. Non, mais de toute façon, non, mais je pense que c'est ça. Faudra voir avec les prochaines. Ça a débloqué deux coffres. À aller mettre tout en bas le saut d'assassin. Oui, mais pourquoi j'ai encore le coffre là? Parce que t'as débloqué le puits, ça t'a débloqué des coffres. Non, mais celui-là. Parce que tu viens de gagner 4900. 4200. Buongiorno. Salute, Serenzio. Voulez-vous consulter les tarifs? Bon voyage. Bon voyage. Par contre, tu peux aller poser. Par contre, tu peux aller poser les. Non, les sauts d'assassin. Ça, si, je sais pas. C'est à la aux pages du codex. À la gauche. Ezio, je t'en prie, approche. De nouveau un tel honneur. Là, là. Je ne sais plus.
Mais il me semble que tu avais un truc, un tombeau d'assassin et un peu de templier. Et ouais, de repère de templier. Ezio, je t'en prie, approche. Que nous voit un tel honneur. Ah, j'habite là en fait. Ok. Ah, j'ai besoin de skate. Un jump scare. Alors, je pourrais m'acheter. Tu peux l'acheter, ça fait toujours. Par contre, retourne sur protection. Oui. C'est son problème chez les deux. Ouais. Non, c'est dommage. Bon, bah, après, tu l'as déjà. Non, c'est l'épée de capitaine qu'il te faut. Tu l'as déjà ? Tout à fait. Entrez mes amis, entrez. Il soigne tous les enfants de Dieu. Si vous changez d'avis, il ne rejoindra pas ici. La réputation de soyez les bienvenus dans ma modeste famille. L'église, le puits et la mine. Les voleurs, non. Et la guilde des voleurs. Ah bah non.
Ça, j'imagine que c'est dans le puits. Ouais. Ça, j'imagine que c'est dans la mine. Certainement. Du coup, voilà. T'es là ce soir. Tu iras faire le puits et la mine la semaine prochaine ou en début de live? Ouais. Allez. Je vais mettre en jambe. Du coup, voilà. On a un peu avancé dans le tuto. On a bientôt fini le jeu, je pense. J'ai bientôt fini le tuto, pas le jeu. Ah, ça va. Ça va, ça va, ça va. On a le temps. Oui. Du coup, on se dit... Je vous emmerde. Je rentre à ma maison. Et puis, du coup... Demain, c'est pas sûr. Sinon, ce sera en soirée. Ouais, demain sûrement en soirée, peut-être tout à l'heure, d'ici une heure et demie, peut-être que je vais me mettre sur Illustrator si je me motive ou pas. Ok. Je vais voir. Très bien. Du coup, voilà. Bisous. Bonne soirée.